Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir pour cette deuxième expérience de paysage du cycle 2022-2023, voilà, qui fait suite au premier cycle qui s'est lancé l'année dernière. Voilà, juste pour rappel, ces expériences de paysage, elles s'inscrivent dans le cadre d'un, voilà, d'une programmation un peu plus globale des expériences de paysage menées par la FFP à l'échelle Île-de-France, mais aussi maintenant déclinées en région. Voilà, donc on est heureux d'accueillir ce soir Élise Génaud et Marine Légentel de l'agence BASE, donc au CAUE. On remercie du coup aussi le CAUE de nous accueillir ce soir et l'ENSAP aussi pour tout le volet logistique et captation vidéo. Voilà, donc ce soir une expérience de paysage sur regard croisé sur le parc des Jalles. Merci Sonia pour ces mots d'accueil. Alors évidemment, on est ravis, nous, le CAUE, de participer à cette aventure, de vous accueillir aujourd'hui et pour d'autres aventures, d'autres fois. Nous avons une mission ici qui vous, enfin, je pense qu'il nous rassemble. Hein, c'est nous, on fait beaucoup de conseils. Alors je vais peut-être vous dire en quelques mots ce que fait le CAUE. Voilà. Et on a la chance d'avoir une équipe de 25 personnes, 26 personnes ici. Donc c'est une association. Il y en a pratiquement une par département qui regroupe des architectes, des urbanistes, des paysagistes. On a une ingénieure écologue, un juriste, médiatrice culturelle. Donc, tous ces métiers travaillant ensemble pour mettre en valeur, valoriser, alors protéger, en tout cas avoir un regard pertinent sur ce qu'on appelle le cadre de vie, hein, conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. C'est un nom un peu barbare. Voilà. Donc, vous avez quelques panneaux qui vous expliquent ce qu'on fait. On travaille avec plusieurs publics et c'est ce qui fait la force de ces structures. On a plus de 40 ans. La loi sur l'architecture datant de 1977, elle a déclaré l'architecture et le paysage son intérêt public. Donc c'est très fondateur et c'est vrai que dans les temps d'aujourd'hui, on pourrait parfois l'oublier. Du coup, on travaille d'une part avec les élus dans leurs projets, on les accompagne sur leurs projets, que ce soit de bâtiments, d'aménagement d'espaces publics, de réflexion à plus grande échelle. On les forme, donc ce sont les deux principales missions. Et nous intervenons aussi auprès des particuliers dans la chaîne de construction. Donc on fait du conseil, on appelle ça le conseil aux particuliers, le conseil à l'habitant. On les reçoit gratuitement dans 60 points de permanence mensuels, gratuitement, donc en Gironde. Donc c'est une vaste, vaste aventure. Et puis nous travaillons également avec les enseignants et les scolaires. Nous intervenons dans un peu plus de 50 classes tous les ans. Donc ça se passe vraiment aussi depuis le tout petit jusqu'à vous. Et donc c'est pour ça que nous sommes ravis de vous accueillir. Donc vous, futurs professionnels, ou pour certains d'entre vous qui le sont déjà. C'est une autre manière d'exercer aussi que d'être conseiller. Donc moi, je promeus cette forme-là, le paysagiste conseiller, pour ce qui concerne le paysage, mais l'archi ou l'urbaniste a un regard et une approche forcément différente, puisqu'il faut s'exprimer différemment. On n'est pas dans notre jargon entre nous, c'est en amont. Donc c'est vraiment une facette intéressante du métier. Voilà, j'en dis pas plus. Si ça vous intéresse, le CAUE, vous êtes toujours les bienvenus. On a un centre de ressources. Évidemment, pas celui de l'école, mais il y a un fonds local très riche sur ce qui se passe en Gironde, et puis à l'occasion de nos événements. Voilà. Donc je vais vous laisser la place pour la thématique de ce soir, le parc des Jalles. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Moi, je suis Élise Génaud, je travaille à Bordeaux Métropole.
Et je suis Marine Legentet, donc je suis paysagiste à l'agence Base à Bordeaux. Donc on va vous parler ce soir du parc des Gels. Donc c'est le premier parc naturel et agricole métropolitain sur Bordeaux Métropole, sur 6 000 hectares, et 9 communes. Donc ce qu'on vous propose ce soir, c'est de faire un petit échange, enfin voilà, un petit regard croisé avec Marine. Donc on va vous parler de notre parcours, de notre vision commune sur le parc des Gels. Moi, en tant que maîtrise d'ouvrage, et Marine comme maître d'œuvre, puisque l'agence Base accompagne la métropole depuis 2013-2014, puisqu'on avait commandé un plan guide à cette époque. Et dorénavant, l'agence Base va nous accompagner pour des missions à la fois d'AMO, mais aussi de maîtrise d'œuvre, pour la réalisation des espaces publics du parc des Gels. Du coup, voilà, quelques petits mots sur mon parcours à moi. J'ai 40 ans cette année. J'ai été diplômée en 2004 de l'INH Agrocampus Ouest Angers, donc une école d'ingénieurs. Donc je suis ingénieure paysagiste. J'ai travaillé pendant 2 ans dans un parc naturel régional en Normandie, donc Cotentin, Marais du Cotentin et du Bessin. J'ai travaillé sur la thématique de la planification du développement éolien avec cette notion de respect du paysage dans ce développement éolien, puisqu'à l'époque c'était une grande thématique. Comment concilier préservation du paysage avec implantation de l'éolien. Ensuite, j'ai travaillé 2 ans, j'ai suivi mon compagnon en Guadeloupe et j'ai créé une micro-entreprise de paysage là-bas, où j'ai fait des petites missions de bureau d'études, mais aussi j'ai participé à des jurys de villes et villages fleuris, mais version guadeloupéenne, avec une entrée plutôt développement durable là-bas. Et j'ai passé mon concours d'ingénieur territorial et je suis à Bordeaux Métropole, enfin, anciennement l'AECUB depuis 2008, avec différents parcours au sein de cette grande maison, avec des postes de chargé de mission, puis de chef de service. Et j'ai notamment piloté 2 projets phares à la métropole dans la thématique nature-agriculture. C'est les 55 000 hectares pour la nature, dont vous avez peut-être un peu entendu parler, même si ça commence à être un peu vieux. Et je suis directrice de projet de l'opération d'aménagement d'intérêt métropolitain depuis 2016. Enfin, voilà, le projet a vraiment émergé à partir de 2019. Voilà pour les quelques mots de parcours. Je vous dis 3 mots sur les 55 000 hectares pour la nature, parce que c'est des mots dont peut-être vous avez un peu entendu parler. Donc c'était un dialogue compétitif qui visait en fait à produire des méthodes et des outils pour faire plus de nature dans la ville. Donc c'est une démarche qui avait eu lieu entre 2012 et 2014. Donc l'idée en fait, c'était de missionner des équipes pluridisciplinaires très très capées, enfin de très haut niveau, et de les faire produire un certain nombre de méthodes et d'outils sur des sites pilotes. Donc on a j'ai piloté tout ce travail avec un groupe d'élus, avec une quinzaine de sites pilotes, et du coup une grosse mobilisation sous forme d'ateliers. Donc ça a duré un certain nombre avec les chiffres que vous voyez, une 60aine d'ateliers de sites, donc sur à peu près 2 ans. On va passer à la slide d'après. Du coup, juste quelques illustrations de ce qu'avaient produit les équipes à l'époque, hein, très très rapidement. Donc l'idée, c'était de pas d'aménager, c'était vraiment de produire des méthodes et des outils pour faire de la nature partout, dans différents contextes urbains sur la métropole, donc à la fois en ville dense, mais aussi sur les zones humides, sur les zones inondables, sur les zones agricoles, sur les zones de lisière. Du coup, il y a l'agence Terre, Coloco, Basmets, B-Citizen qui avaient été retenus et qui avaient développé un certain nombre de stratégies
Principalement basé aussi sur la mobilisation des citoyens, des entreprises, et également produit un certain nombre de documents un peu pédagogiques pour mobiliser un peu tout type de public. Je vais passer, hop. Et bon, voilà, pour résumer très très vite les outils qui avaient été imaginés à l'époque. Donc, il y avait des notions d'indices de biodiversité, des figures territoriales, donc des outils vraiment plus pour prendre en compte les aménités ou les questions de nature de sol ou de biodiversité dans les sites, des outils plus de stratégie ou de plan guide type plan des bords, guide des zones humides développé par l'agence Terre, des questions aussi de plans de gestion territoriaux puisqu'on est sur des très grands espaces de zones humides ou de zones inondables sur la métropole. Des outils aussi pour mobiliser les citoyens, les habitants, notamment en faisant planter les gens, donc des dynamiques comme un habitant, un arbre, ou pour faire participer les publics aussi financièrement, parce que le but c'était aussi de mobiliser financièrement à la fois les acteurs économiques et les acteurs même privés. Voilà, donc il y avait tout un tas d'exemples qui avaient été développés, et du coup je trouvais intéressant de vous montrer ce qui s'était fait, ce qui s'était produit, puisque finalement en fait la dynamique malheureusement s'est terminée en 2014, année des élections, et l'équipe qui portait les 55 000 hectares pour la nature n'a pas été réélue, ce qui est un peu malheureux pour ce type de dynamique, hein, puisque du coup, bien sûr, après, ben, les élus ne sont plus là pour porter ce qui avait été imaginé par les équipes retenues. Donc malheureusement, la dynamique s'est un petit peu délitée, comme vous pouvez l'imaginer. Et du coup, bon, voilà, nous, techniciens, on a quand même réussi à maintenir certaines intentions en les portant et en les montrant. Et puis finalement, il y a aussi des idées qui ressortent parfois un petit peu toutes seules, hein, d'elles-mêmes. Et du coup, aujourd'hui, il y a notamment un projet de conversion de voies ferrées qui est en train d'émerger petit à petit sur la rive droite, là, qui s'appelle la Brazaligne. Cette année, les premiers aménagements d'espaces publics vont sortir. Et puis on a différents plans de gestion, stratégies, démarches de biodiversité qui ont été votées ou qui seront très prochainement votées. Et sur la dynamique citoyenne, par exemple autour de l'arbre, la campagne de com jardinier mécène de la métropole est en train d'être publiée en ce moment. Donc vous verrez sans doute passer cette thématique-là. Plantons 1 million d'arbres, c'est le projet phare de notre président pour cette mandature. Et puis la question des budgets participatifs, c'est quelque chose qui est régulier maintenant dans l'accompagnement de certains projets métropolitains. Je ne sais pas si ça vous rappelle, hein, il y avait le financement du rhinocéros au muséum d'histoire naturelle. Donc les citoyens étaient appelés à aider au financement en fait d'un rhinocéros naturalisé. Donc voilà, il y a des mécanismes comme ça qui existent maintenant dans notre fonctionnement institutionnel. Voilà. À mon tour maintenant de me présenter. Je m'appelle Marine Le Gentel. Donc moi, ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille pour l'agence Base. Je suis, tout comme Élise, diplômée de l'école d'Angers, qui à l'époque s'appelait INH, qui maintenant s'appelle Agro Campus Ouest. Bref, c'est l'école de paysage d'Angers, et je suis aussi ingénieure paysagiste. Avant de travailler chez BAS, pendant ma formation, j'ai eu des expériences en pépinière en Afrique du Sud, en agence plutôt d'architecture et de patrimoine, et aussi à l'agence Foléa-Gautier, où j'ai pu développer et appréhender toutes leurs méthodes pour faire des atlas de paysages et raisonner vraiment des atlas de paysages à l'échelle de départements tout entier. Donc à l'agence BASE, ça fait depuis maintenant presque 10 ans que je travaille sur le sujet du parc des Jalles. Donc Élise le rappellera tout à l'heure, mais c'est vraiment un projet de longue haleine. Les premières études que j'ai commencé à lire quand j'ai commencé, elle datait de 1995, donc voilà, donc c'est un projet au long cours, mais qui est très intéressant et qui,
qui est intéressant de par sa dynamique. Et là, on espère en tout cas pouvoir proposer et enfin pouvoir proposer des aménagements concrets sur le site. Pour revenir à base, donc on est toute une équipe qui sont mobilisées sur le projet. On a à peu près une vingtaine de collaborateurs à l'agence de Bordeaux et en tout, on est 90 salariés répartis sur l'agence de Paris, l'agence de Lyon et quelques antennes aussi à Nantes et à Clermont-Ferrand. Donc on travaille essentiellement sur des études de territoire, on fait aussi beaucoup de maîtrise d'œuvre d'aménagement paysager, d'espace public, des parcs. À l'agence, on a la chance de faire pas mal de maîtrise d'œuvre de parcs, donc ça, on en est très content. Et aussi de la planification et de la coordination urbaine, où le paysagiste aussi a un rôle d'urbaniste sur certains de nos projets. Donc si je dois parler un petit peu plus de mes expériences à l'agence, donc là, vous avez l'exemple d'un projet à Perpignan. Donc on a travaillé sur la mise en œuvre en fait d'une voie verte sur 20 km linéaires le long de la Tête. Donc la Tête c'est le fleuve en fait qui traverse toute la vallée de Perpignan et ça a été beaucoup d'investigations territoriales, beaucoup de terrain en équipe avec l'ensemble de mes collègues pour trouver un tracé qui vient s'immerser, qui vient connecter des portes aussi, donner accès à ce tracé depuis les principales communes qui viennent le traverser. Donc c'est comment est-ce qu'on révèle le fleuve Tête par le biais d'un tracé de circulation douce et de pistes cyclables et de zones d'arrêt, des endroits où on ne fait rien, des espaces de contemplation. Enfin, c'est tout ce travail en fait vraiment de territoire, vraiment d'investigation territoriale de manière à proposer le projet qui soit le plus adapté au site en proposant des usages qui soient bien calibrés à la juste mesure. C'est des thématiques qu'on va retrouver aussi pour le parc des Jalles. Autre sujet bien plus urbain, j'ai été aussi amenée à piloter l'actualisation du schéma d'aménagement des berges de Seine. Donc là, c'était pour le conseil d'appel départemental des Hauts-de-Seine. Donc ils nous ont missionné pour investiguer les 66 km linéaires de berges de tout le département. Donc là aussi, ça a été beaucoup de terrain. À pied, en vélo, on a essayé de le faire en bateau, mais on n'est pas arrivé, mais on aurait bien aimé. Donc l'idée en fait, de ce projet aussi de territoire, c'était d'aider en fait, le département, qui en charge vraiment toute la gestion des berges et l'aménagement qui leur est propre, à rétablir en fait, un système de continuité, parce qu'aujourd'hui, il y avait déjà des portions qui sont aménagées, des portions qui ne sont pas du tout, et avoir une espèce de vue d'ensemble, un petit peu comme une espèce de rétrospective. Là, vous voyez sur la première, sur le haut de la slide, on a réalisé une grande frise très graphique qui permet un peu de se localiser le tracé, toutes les occurrences, les confluences, les ponts, tous les espaces traversés. Et ça nous a permis aussi d'identifier du coup les zones rouges, les zones où on passait pas, les zones où le paysage est vraiment très dépréciatif. D'établir comme ça un diagnostic de territoire sur l'ensemble des 66 km. Ce n'est pas rien, en tout cas c'est très long, mais c'était passionnant. Et on a établi, donc on a travaillé avec eux pour travailler ensuite sur des sites actions, en leur disant, sur les 66 km de sites, de berges, il y a peut-être une vingtaine de sites sur lesquels vous pouvez intervenir et qui permettront juste de rétablir une continuité, parce que des fois on avait des grands tracés de 20 km qui étaient juste interrompus par 1 km et vous pouvez recontinuer après. Enfin, voilà. Comment peut-être par juste des petites micro-actions qui ne coûtent pas forcément très cher aussi, on peut rétablir comme ça une continuité à l'échelle d'un département et surtout avec des enjeux qui, là, pour le coup, étaient beaucoup plus urbains, on va dire, de fait de la nature du département des Hauts-de-Seine que le projet de la Tête. Et enfin, donc là, plutôt en partie maîtrise d'œuvre, donc là, parce que je vous ai présenté deux exemples un petit peu d'études de grands territoires. Je travaille aussi sur l'aménagement du parc des Prairies Saint-Martin à Rennes. C'est un parc en fait qui a été dont on a livré la première phase d'aménagement en 2019. C'est 30 hectares. Donc là, on est vraiment à l'interface. C'est un très grand parc qui est renaturé. Aujourd'hui, on était sur des sites qui étaient très pollués, donc on a dû dépolluer les sites pour pouvoir les réouvrir à l'ensemble des habitants de l'agglomération rennaise et recréer comme ça des espaces de nature, aussi des espaces de divagation des crues. Donc vous voyez sur l'image du bas, on a créé des zones humides aussi, des champs d'expansion des crues. À la base, c'était un site pollué, c'était une décharge. Donc voilà, c'est un vaste projet, on va dire, de renaturation avec toute une mosaïque du milieu, avec différentes formes de prairies. Et comment est-ce qu'on renature, comment est-ce qu'on fait aussi un projet non humain
tout en le mêlant avec d'autres activités, d'autres usages. On a proposé une aire de jeu, on a aussi des parcours, un parcours immersif avec ce platelage bois. C'est aussi des espaces événementiels. Hop là, vous voyez sur la photo du haut, où c'est un vaste site aussi où les gens se retrouvent. C'est vraiment la réappropriation d'un terrain vraiment aux portes de l'agglomération de Rennes, qui est dans Rennes, qui avait été un petit peu oublié, pollué, et dont on a participé à la réouverture. Alors, j'enchaîne avec le territoire déjà, du coup. Avant de vous parler peut-être du projet en tant que tel du Parc des Halles, l'idée c'est de vous parler déjà un peu du site. Qu'est-ce que c'est le Parc des Halles ? Peut-être que de par les différentes publications, comme on sait, c'est un projet qui au long cours, vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc on se situe donc au nord de l'agglomération bordelaise. Donc on a 9 communes qui sont concernées. Et avant tout, on va dire, qu'est-ce qui fait la matrice, on va dire, fondatrice de ce parc ? On est avant tout sur un parc qui est dessiné par l'eau. Donc en tout, on a 111 km de cours d'eau, Halles et fleuves compris. On a pratiquement plus de 1000 km de fossés et de canaux, et on a 446 hectares de plans d'eau. Donc c'est vraiment, on va dire, c'est l'identité matrice de ce site, c'est l'eau. Alors on va voir que l'eau, elle va prendre différentes formes, en fait. Sur la partie ouest, on est plutôt sur, j'en reparlerai après, mais sur une Halles qui est beaucoup plus nature. La vallée maraîchère, là, on commence petit à petit à canaliser cette Halles, à vouloir en réorienter son cours. Et ensuite, sur toute la partie est, là, on est vraiment sur un schéma très orthonormé, avec des fossés, de drainage, et encore une forme paysagère induite par la forme de l'eau qui est encore différente. Pourquoi aussi est-ce qu'il a été préservé de l'urbanisation, donc cette grande échancrure verte qui permet du coup de connecter le plateau landais au fleuve Garonne? C'est parce que ça, on a un parc qui est quasiment inondable à 80%. Donc cette forte prégnance de l'élément eau aussi induit cette inondabilité. Et c'est aussi un parc qui est protégé. Donc il y a plusieurs périmètres de protection qui sont en vigueur. Si on doit, si on doit le synthétiser, on a à peu près 67% du parc qui est protégé. Donc on a des protections qui sont très fortes, notamment au niveau de la réserve naturelle de Bruges. Là, c'est la partie la plus vert foncée que vous voyez. On est vraiment sur un site qui est sous douane, avec vraiment un passage contrôlé. Tous les espaces ne sont pas ouverts. Et ensuite, on a différents types de protection. Ça va de la simple SNIEF, SNIEF type 1, SNIEF type 2. Là, donc c'est vraiment des périmètres en fait d'inventaire. On a des ICO, ça c'est des espaces qui sont plus à destination des oiseaux. On a du périmètre Natura 2000. On a aussi une ZPNS. Voilà, tout ça, tout ce parc-là est régi par, on va dire, un millefeuille de protection qui viennent se superposer. Si on doit aussi vous parler des paysages donc d'une manière générale, on a établi ici la carte des différentes entités paysagères. Donc, comme je disais, on est sur 9 communes, on est sur presque 6000 hectares de sites naturels au nord de Bordeaux, et on peut un peu le résumer en un parc, mais on va dire 9 grands domaines paysagers. Pour vous les simplifier. Donc je vais les passer rapidement en revue pour que vous puissiez aussi vous approprier le site. Ouais. Donc on commence par le bois des sources. Alors le bois des sources, on est là sur la partie la plus à l'ouest du parc. On est sur la commune à peu près de Saint-Médard, le Taillant, le Haillant. Donc on est sur une forêt mixte qui est composée de chênes, essentiellement de pins. On a des petites dépressions humides, des chemins de sable, on a quelques moulins qui viennent se parsemer dans la forêt. Et ici, on est sur une Halles qui est relativement libre, j'entends par libre, qui n'a pas été endiguée ou dont le cours n'a pas été remanié au fil du temps. La vallée maraîchère, donc sur les communes d'Aisines et de Bruges. Donc je pense que c'est le site qui va concentrer la majeure partie en fait des représentations paysagères. Souvent quand on parle du parc des Halles, on pense souvent en tout cas à cette vallée maraîchère. Donc il y a un espace qui est très important pour l'approvisionnement aussi local de l'agglomération bordelaise. Donc là les motifs, on va plutôt être sur une Halles qui est très endiguée parce qu'on a cherché vraiment à réduire au maximum l'emprise de la Halles pour pouvoir cultiver le plus possible. Donc on est sur un paysage de culture avec des serres, des hangars, quelque chose de très dessiné. Voilà, on a des motifs qui sont induits par les cultures et les parcelles qui sont vraiment très particuliers à ce site.
Ensuite, on a le secteur des prairies. Donc là, le secteur des prairies, on est plutôt sur la commune du Bruges et de Taillant-Médoc. On est juste en face de la vallée maraîchère et hop, il suffit qu'on passe la Jalle au nord et on est sur un paysage qui est complètement différent, composé de marécages, de bocages et de paléochenaux qui sont les traces des anciens cours des Jalles. Les gravières, donc sur toute la partie Blanquefort et Parampuire, donc sur la partie est du parc. Donc là, on va être sur des grands plans d'eau qui sont issus de l'extraction de gravier qui tend à s'arrêter petit à petit. Mais en tout cas, de cette activité industrielle en résulte tout ce paysage de gravières qui aujourd'hui peuvent être des sites qui sont hyper intéressants pour la vie faune. Mais qui peuvent être aussi support d'usage de loisirs, de canoë, d'aviron. C'est aussi des programmes qu'on pourra aussi terminer à développer. Le marais agricole. Donc là, on est vraiment sur des paysages beaucoup plus ouverts sur Parampuire et sur Blanquefort. Paysage horizontal, des canaux, des écluses, des grandes cultures. Là, on n'est plus du tout dans le maraîchage ou dans les prairies. Enfin, il y a quelques prairies quand même. Prairies et grandes cultures qui viennent composer cette mosaïque du milieu d'espaces beaucoup plus ouverts. Les équipements de loisirs, on est sur Bordeaux, le lac, le stade, toutes les infrastructures routières. On est vraiment aussi sur une entité paysagère qui lui est propre. Et enfin, le fleuve, donc qui est la partie qui va vraiment jouxter le parc des Jalles sur sa partie est, où on va retrouver les berges vaseuses, le lit majeur, les carrelets. Au final, c'est du fait de la faible praticabilité des chemins, on va dire, sur cette entité paysagère. C'est pas du tout la prégnance du fleuve. En fait, quand on vient sur le site, elle est peu présente. En fait, faut vraiment qu'on passe la digue, qu'on passe la ripisylve, et enfin on y arrive. Mais aujourd'hui sur le site, à part peut-être le port Lagrange, il y a très peu en fait de points de vue qui nous permettent d'avoir un véritable accès au fleuve. Et j'en termine aussi par la forêt galerie. Donc là, on est vraiment sur la partie la plus à l'ouest du parc. Je pense que c'est... moi, en tout cas, je pense que c'est un de mes endroits préférés. On est vraiment donc, c'est entre la commune de Martignas et la commune de Saint-Médard. C'est la Jalle la plus confidentielle aussi, hein, parce que c'est un espace qui n'est pas très connu. On va vraiment avoir une vraie rivière. Là, on n'est plus sur le tout petit filet d'eau ou sur le petit fossé. Des plages de sable, une vraie voûte arborée et des confluences. Le domaine forestier, j'en ai oublié, je pensais que c'était le dernier. La commune de Taillant-Médoc, là, on est sur une forêt essentiellement de feuillus, des grandes allées cavalières, un sous-bois fougère, c'est le royaume des cavaliers. Il y a beaucoup de chevaux qui sont là-bas. Et voilà. Donc, de toute cette exploration paysagère, on en a récolté un petit peu ce qu'on appelle, nous, les pépites de territoire. C'est tous ces petits lieux en fait qu'on a inventoriés, que ce soit des pépites architecturales, des moulins, des formations paysagères, des confluences. Enfin, c'est toute cette, on va dire, cette forme de tous les lieux d'intérêt du site qui nous paraissent intéressants à donner à voir, et on verra de quelle manière, en tout cas dans le projet, on propose de les mettre en réseau. Alors après que Marine vous ait fait bien rêver, je vais revenir sur des sujets un peu plus complexes, c'est-à-dire la dimension de gouvernance et de portage du projet, puisque ce projet de parc des Jalles est très ancien, comme le disait Marine, effectivement... depuis les années 80, en fait, l'AURBA avait fait des premières études, l'agence d'urbanisme. Je parle sous forme de sigle parfois, je vais essayer de... pour ceux qui ne connaîtraient pas l'agence d'URBA, je vais un peu vite. Donc effectivement, beaucoup d'études de planification qui avaient effectivement commencé à imaginer ce que pourrait être un parc naturel et agricole, avec du coup une succession de réflexions sous forme plutôt de chartes, puisqu'il y avait eu une première charte dans les années 2000, puis une deuxième dans les années 2011, pour justement fédérer en fait les communes autour d'un projet commun. Et assez vite, c'est la CUB, puis Bordeaux Métropole, qui ont effectivement porté ces réflexions sous forme à la fois de réflexions paysagères, mais aussi de portage, c'est-à-dire voilà, comment on se met autour de la table et comment on porte et on finance accessoirement ce projet.
En parallèle, il faut aussi accompagner cette réflexion autour de tout ce qui a trait à la gestion des milieux aquatiques, puisqu'en fait, comme le disait Marine, ce territoire est vraiment marqué par la Jalle. Hein, donc la rivière principale, c'est la Jalle de Blanquefort, qui prend sa source hors métropole à Saint-Jean-d'Illac et qui donc traverse tout ce secteur. Et du coup, il y a également des syndicats de gestion de ce cours d'eau en fait, qui ont été créés, donc le CIJALAG, puis finalement cette compétence en fait est aussi à rejoindre en fait la métropole hein, puisque dorénavant c'est la métropole depuis 2016 qui porte la compétence gestion des milieux aquatiques et protection contre l'inondation. Donc il y a également aussi en arrière-plan la question de la gestion du cours d'eau. En 2013-2014 la métropole avait missionné base pour une étude plus opérationnelle, plus concrète hein, donc Marine en reparlera. Mais aussi en parallèle, la métropole avait également différents rôles, puisque initialement, donc il faut savoir que Bordeaux Métropole n'a pas de compétences en matière de valorisation des espaces naturels et des parcs. C'est les communes qui sont toujours compétentes dans ce domaine-là. Si vous voyez par exemple, le parc bordelais, le parc aux Angéliques à Bordeaux, c'est la ville de Bordeaux qui aménage, qui finance, qui gère. Ces espaces-là. Et la métropole n'a pas du tout de compétences en la matière et donc elle n'est que cofinanceuse des aménagements des villes. Donc à partir des années 2000, en fait, il y a eu un programme, une sorte de règlement d'intervention qui donne à la métropole un rôle de cofinanceur, c'est-à-dire que les communes qui avaient des projets de valorisation dans le parc des Jalles étaient aidées financièrement par les communes. Mais voilà, ça s'arrêtait un peu là, c'est-à-dire qu'on portait des études, en gros, de planification et de paysage et on cofinançait les projets des villes. Mais voilà, c'était un peu tout. À partir des années donc 2012, la métropole est devenue animatrice du site Natura 2000 de la Jalle de Blanquefort. Donc là, c'est l'État en fait qui nous confie un rôle d'animation pour inciter les agriculteurs notamment à avoir des pratiques vertueuses sur la question de la biodiversité et de la nature. Et en complément, à partir des années 2015, le département nous a également confié une mission d'animation du périmètre des espaces naturels et agricoles périurbains. Donc ça, c'est une autre politique donc, du département qui finance en fait des programmes d'animation, notamment pour le maintien de l'agriculture, mais aussi de la biodiversité. Et c'est également un outil foncier très important, puisque sur ce PENP des Jalles, en fait, la nature des sols est figée, c'est-à-dire que c'est des zones en classées au PLU en N et en A, donc en naturel et en agricole, et ça ne pourra pas changer. Donc ça verrouille en fait la destination des terrains à long terme au-delà du PLU, c'est-à-dire que c'est vraiment une protection foncière extrêmement forte. Et en plus, ça donne le droit de préemption au département, c'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un vendeur, s'il y a un foncier vendu, le département peut acquérir en priorité ces fonciers. Donc c'est quand même très intéressant comme outil. La métropole est totalement dénué de ce genre de droit, donc c'est vraiment fondamental de pouvoir être en partenariat avec le département qui a cet outil. Et du coup, en fait, dans mon équipe, j'ai un animateur PENP donc qui travaille en fait pour le compte du département. Donc tous ces petits maillons en fait ont petit à petit en fait aussi structuré la place de la métropole dans cet échiquier, on va dire. Et petit à petit, les communes aussi ont confié ce rôle d'assemblier, de coordinateur et petit à petit de maître d'ouvrage. Mais il fallait pouvoir donner compétence en fait à la métropole pour jouer ce rôle. Puisque du coup, comme je vous expliquais, on n'avait toujours pas ce rôle. Donc du coup, l'orientation a été choisie de partir sur une opération d'aménagement d'intérêt métropolitain. Voilà. Ça, c'était simplement une slide un petit peu plus technique par rapport à ce que vous expliquiez tout à l'heure, Marine, sur les différents espaces.
Donc effectivement, l'échiquier de toutes ces protections dont vous parlez, Marine, effectivement se traduisent par différentes natures de protection et du coup des rôles un peu différents des uns et des autres sur ces différents espaces. Et du coup, nous, on intervient effectivement sur tout ce territoire, au-delà du portage du parc des Jalles. Au sein de mon équipe, j'ai des gens qui travaillent sur le PUNP des Jalles, sur la réhabilitation du marais d'Olive, par exemple. Hein. Donc on a acquis un foncier de 90 hectares et on a porté un projet de réhabilitation écologique. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent sur ce territoire, de par la métropole, mais aussi bien évidemment par tous les acteurs communes, mais aussi propriétaires. On n'a pas dit qu'il y a 60% de terrains privés. C'est quand même assez important à noter. Donc on est loin d'être chez nous, en fait, sur ce, sur ce territoire. Et du coup, ça explique aussi à la fois l'importance de la prise en compte des usages et aussi de la concertation et du rôle des parties prenantes sur ce territoire. Je ne vais pas détailler cette slide, mais c'est juste pour vous expliquer comment c'est compliqué de porter une opération d'aménagement d'intérêt métropolitain. Donc, je vous laisse regarder les dates et les étapes, mais je ne vais pas tout détailler. Concrètement, à partir du moment où des élus décident qu'on va faire une opération d'aménagement d'intérêt métropolitain, après, il faut faire tout ça. Une première décision avait été prise en 2016, mais elle n'a pas été totalement assumée par tous les maires. Donc, il y a eu un temps de pause. Et finalement, le top départ n'a été lancé que début 2019. Donc, le choix de l'outil, hein, de l'opération d'aménagement d'intérêt métropolitain. Et c'est une procédure réglementaire très très complexe qui a nécessité notamment trois phases de concertation. Donc une phase de co-construction du programme d'action, puisqu'en fait l'opération d'aménagement d'intérêt métropolitain, on s'est calqué en fait sur le modèle des parcs naturels régionaux. Donc un petit peu comme, alors je ne sais pas si vous connaissez cet outil du parc naturel régional, mais en fait le socle en fait d'un parc naturel régional, c'est une charte de territoire. Donc c'est vraiment un projet de territoire qui est co-construit avec tous les acteurs pendant une dizaine d'années avant d'aboutir en fait à la création de l'outil. Donc nous, c'est un petit peu calqué sur cette méthode, mais en accéléré, puisque la décision ayant été prise en 2019, il fallait que avant les élections municipales, on est abouti, c'est-à-dire pas beaucoup de temps en fait pour faire sortir les projets. Du coup, on a fait une concertation assez express, mais qui permettait quand même d'inscrire les différents axes fondamentaux du projet. Il y a également, pour une opération d'aménagement de plus de 10 hectares, on doit faire une évaluation environnementale. Donc c'est effectivement pour un projet d'opération d'aménagement de 6000 hectares, fortiori, oui, hein, on doit faire ça. Donc également convaincre l'État qui voyait un peu cet OVNI arriver et qui ne savait pas trop comment ils allaient instruire ça. On a fait le choix d'être totalement transparent avec les acteurs et donc on a fait également une concertation préalable avec Garant. Donc en fait, on sollicite en fait un garant pour encadrer et s'assurer que la concertation va être menée suffisamment, de façon suffisamment claire, avec suffisamment de pédagogie pour que le grand public puisse s'exprimer. Donc on sollicite en fait la Commission nationale du débat public pour missionner un garant pour encadrer cette concertation. Et puis après, je vous passe toute l'écriture des délibérations et les allers-retours, enfin voilà, tout ce genre de choses que Marine ne voit pas, mais je te soutiens quand même. Voilà, mais qui occupe bien, hein, voilà, avec les différents allers-retours avec l'État, avec les collectivités qui doivent donner leur avis, enfin voilà, tout un process très long. Qui a été en plus un petit peu retardé puisque bien évidemment il y a eu les élections quand même dans l'histoire et que les nouveaux maires, si ça aurait pas été rigolo, ont re-questionné le périmètre. Donc bien sûr il y a eu des retraits, des ajouts, donc il a fallu faire une mise à jour
des documents produits et puis et du coup refaire voilà une mise à jour de l'évaluation environnementale, redemander l'avis à l'État, enfin bon voilà des choses sympathiques. Tout ça pour aboutir effectivement à une délibération. Donc l'acte fondateur de l'opération d'aménagement métropolitain, c'est une délibération du Conseil de Bordeaux Métropole qui acte en fait cette prise de décision et qui finalement donc donne compétence à Bordeaux Métropole pour investir de l'argent sur ces fameux espaces publics du Parc des Jeunes. Tout ça pour ça. Voilà. voilà. Donc effectivement, on est content d'avoir maintenant cet outil depuis septembre 2021 qui va nous permettre effectivement d'investir. Donc pour l'instant, voilà, ce qui est prévu, c'est 30 millions d'euros sur 15 ans. Bon, c'est déjà bien, voilà, on va dire ça comme ça. Après, l'idée, c'est bien évidemment que les communes soient également partie prenante. Hein. Donc là, je vous parle uniquement de la part Bordeaux Métropole. Et effectivement, ce qui nous a pas mal occupé ces derniers temps, c'est... voilà, donc là vous avez juste quelques illustrations des phases de concertation. Donc en haut, c'est la pré-concertation qu'on avait fait en avril 2019. Donc en faisant venir autour de la table à la fois des acteurs du territoire mais aussi du grand public. Et puis la concertation préalable lors de laquelle on avait... On était allé en fait au devant du public, notamment lors des forums des associations, puisqu'en fait c'est assez dur de mobiliser le public sur des sujets comme ça. Enfin, c'est quand même pas évident de mobiliser le public sur des sujets comme ça. Donc lors de la pré-concertation, nos temps grand public avaient fait un flop total. Donc on s'était dit bon, faut qu'on change de format. Et du coup, on avait tenu des stands, grâce d'ailleurs à la participation d'étudiants de l'ENSAP que j'avais payé en tant que vacataire, et donc qui tenaient les stands de concertation pendant les forums des assos de rentrée en septembre. Donc là, on avait eu un peu de monde grâce à l'affluence de ces manifestations. Et là, bon, voilà, je vous ai ressorti quelques petites photos. De ces fameuses réunions où je suis aux côtés des élus qui portent le projet, donc des maires et des vice-présidents de Bordeaux Métropole, lors desquels voilà, on explique tout ça au public. Juste pour que vous ayez en tête les grandes lignes de ce fameux programme d'action, qui est donc un peu comme une charte de parc naturel régional, on s'est vraiment inspiré de cette méthode. Bon, vous l'aurez noté, j'ai travaillé dans un parc naturel régional, donc ça m'aura bien sûr inspirée. C'est vrai que c'est des structures qui sont vraiment très intéressantes. Moi, j'ai vraiment apprécié cette première expérience professionnelle dans un PNR et forcément, je pense que ça me nourrira toute ma vie. Donc, j'ai créé le premier petit parc naturel régional de la métropole avec un programme d'action qui est vraiment donc voilà qui fait ressortir les qualités dont a parlé Marine, le territoire d'eau, le territoire productif puisqu'il y a effectivement de l'agriculture mais aussi des exploitations industrielles comme les carrières, mais également le port. Hein. Le port de Bordeaux a un site important qui est un futur terminal, puisque finalement, c'est un terminal qui a été construit à Blanquefort pour un projet éolien, et puis finalement, qui n'a jamais vu le jour. Donc, en fait, il y a un terminal fonctionnel, mais qui ne sert pas. Mais du coup, voilà, le port a toujours énormément de terrain sur le parc des Jalles, et du coup, voilà, un possible débouché logistique très important. Donc, effectivement, cette dimension reste la dimension productive de cette zone naturelle reste quand même importante. Et du coup, se pose la question des lisières, en fait, entre ces activités industrielles et toute la vie naturelle et agricole. Bien évidemment, il y a la dimension écologique du parc, puisque, comme on l'a dit, il y a des fortes protections naturelles sur ce parc et du coup, une responsabilité forte de la métropole à protéger ces espaces. J'irais même jusqu'à dire conserver. Donc effectivement, c'est l'ambition qu'on a donnée dans le programme d'action du Parc des Jalles, c'est la conservation des habitats naturels. Donc conservation, ça veut vraiment dire que les habitats doivent être maintenus. Et donc c'est assez compliqué à faire au port d'une métropole qui ne cesse de grandir et dont les infrastructures sont quand même...
peuvent vite être assez destructrices. Donc effectivement, la métropole, par ailleurs, hein, à l'échelle vraiment de la métropole, a mené un gros travail sur une stratégie biodiversité très ambitieuse. Donc là, en plus, on vient d'obtenir un cofinancement de l'Europe très important. Donc on a une stratégie biodiversité sur 5 ans de 9 millions d'euros. Dont presque 2,5 millions, 3 millions cofinancés par l'Europe. Et bien évidemment, le Parc des Jalles est un lieu privilégié en fait, pour porter les actions de cette stratégie et avoir un accompagnement supérieur au reste du territoire sur l'accompagnement des projets et pour bien évidemment minimiser les impacts et intégrer au mieux les projets d'aménagement à la fois dans le Parc des Jalles mais aussi en lisière, puisque le but du jeu c'est aussi de travailler sur les lisières du Parc des Jalles. Donc on a accueilli cette année un stage de Master 2 du IATU au sein de mon équipe sur cette thématique des lisières du Parc des Jalles. Bien évidemment, on a aussi un dernier axe qui est l'axe qui est le plus que les élus ont le plus en tête, qui est l'axe autour de l'aménagement, du fait de donner à voir ces espaces qui sont très mal connus. Hein. Les habitants de la métropole ne connaissent pas le Parc des Jalles, ne savent pas que ça existe. Bien évidemment, ça tient au fait que c'est principalement des terrains privés qui ne sont pas accessibles. Donc il y a bien évidemment la notion de l'ouverture au public, mais qui doit bien évidemment se faire en adéquation avec les autres axes, c'est-à-dire de façon mesurée, de façon réfléchie, avec un impact nul sur les habitats naturels. Donc c'est quand même pas si évident que ça à faire. Donc on travaille aussi sur des réflexions autour de la question de la surveillance, donc notamment la question de la police nature, ce qui est compliqué pour un EPCI qui n'a pas de pouvoir de police. Donc encore une fois, c'est des questions de process qui sont très compliqués à mettre en œuvre, puisque la police, c'est le maire qui l'a, et pas la métropole. Donc pour faire une police intercommunale, c'est très compliqué. Donc je travaille aussi sur ce genre de choses. Des aménagements, bien évidemment, de portes et de chemins dont parlera Marine, mais aussi de maisons de la nature pour faire tout ce qui est volet sensibilisation au grand public. Donc il y a un panel d'outils qui est effectivement très très large. Et puis bien évidemment de la com, donc vous avez quelques documents de com à la sortie, enfin sur les petites tables qui sont derrière, si vous ne les avez pas vues déjà passer. En termes de gouvernance et de pilotage, donc moi je travaille actuellement avec un comité de pilotage qui associe les 9 maires et une vice-présidente de Bordeaux Métropole. On charge de l'aménagement urbain et naturel. L'idée, c'est de mettre en place une instance de gouvernance élargie qui permette de faire intervenir beaucoup plus les acteurs, et notamment les propriétaires fonciers, mais aussi les exploitants, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on construise à tout prix, qui doit reprendre le travail qui a été fait en 2019, mais qui doit créer comme une sorte d'assemblée du Parc des Jalles, ce qui permettra aussi de faire un retour sur les actions, les réalisations. Donc ça, on va travailler dessus l'année prochaine, enfin dès la fin de l'année là. Donc sinon, on anime bien évidemment une équipe projet qui est, donc c'est mon rôle hein, de piloter et de coordonner l'équipe projet au sein de Bordeaux Métropole, mais aussi avec les 9 communes. Donc on a un rôle d'animation de cette équipe projet, ce qui permet après de faire le lien également avec les élus. Et puis bien évidemment de travailler sous forme de groupes de travail locaux sur tous les projets, à la fois sur les projets d'aménagement, mais aussi sur tous les autres, en lien avec les politiques nature et agriculture dont je vous ai parlé déjà précédemment. Donc là, j'ai retrouvé aussi quelques petites photos d'une de nos équipes de réunions d'équipe projet sur site, parce qu'on aime bien aller directement dans la nature ou au moins dans le territoire du Parc des Jalles. Donc ça, c'était à Saint-Médard-en-Jalles. Il y a une table de pique-nique très bien à côté du refuge périurbain qui s'appelle la station orbitale Saint-Médard-en-Jalles, que je vous invite à aller voir. Et donc, cadre parfait pour une réunion d'équipe projet l'été, quand il fait beau. Bon, il se trouve qu'on avait même
même eu une averse et qu'on s'était réfugié dans le refuge périurbain. Donc voilà. Et donc vous voyez que nous étions déjà toutes les deux à la table sur ces photos. Juste quelques slides sur les réalisations 2021, parce que bon. La procédure réglementaire, c'est sympa, mais on aime bien faire d'autres trucs à côté, histoire de se donner un peu du cœur à l'ouvrage. Parce que la paperasse et les délibérations, c'est sympa, mais voilà, j'aime bien faire d'autres trucs aussi. Donc, il se trouve qu'on a ouvert au public en 2021 le Marais d'Olives. Donc ça, c'est un de mes collaborateurs qui travaille dessus depuis presque 10 ans. La métropole avait acquis 90 hectares de marais qui avaient été en fait drainé à outrance pendant une trentaine d'années, donc des sols qui avaient perdu un mètre de dénivelé et qui étaient totalement inondés l'hiver, donc l'exploitant ne pouvait plus, quasiment plus cultiver, enfin ça devenait ingérable. Donc on a acquis ces terrains et on a mené un travail de réhabilitation écologique, on confie une grande partie du site à un éleveur et on a gardé une partie pour en faire une sorte de mini réserve. Et on y a aménagé un parcours pédagogique. Donc je vous invite également à aller à Parempire au Marais d'Olives pour visiter cet espace naturel. On a travaillé sur un guide découverte de 80 pages et on a mis en place le premier programme d'animation avec 50 sorties nature sur la fin de l'année 2021. On a également organisé la première journée interservice sur la thématique de la police nature. Et puis, voilà, des premiers petits aménagements de marquage événementiel qui réutilisent l'identité visuelle du parc des Jalles sur une chaussée là, à Martignas. Donc ça, c'était les premières petites réalisations opérationnelles. Bon, même si le Marais d'Olives, c'est un gros projet pour nous. Mais le reste était plus, on va dire, de l'événementiel. En 2022, on a fait beaucoup de communication parce qu'on travaillait en fait sur le marché d'accord cadre qui va nous permettre maintenant de travailler avec l'agence base et tous les co-traitants, puisqu'en fait, à Bordeaux Métropole, la question des marchés publics, c'est quand même quelque chose de très structurant. Donc là, moi, j'ai travaillé sur un gros marché d'accord cadre qui va nous permettre de déployer toutes les études environnementales et paysagères, donc à la fois d'AMO mais de maîtrise d'œuvre et tous les sujets de concertation, de médiation scientifique. Et du coup, ça prend du temps d'écrire un gros marché structurant. Et du coup, finalement, sur la fin de l'année 2021 et l'année 2022, ça nous a beaucoup occupés. Mais on est content parce que c'est un outil marché qui va nous servir pendant 8 ans. Et en plus, on a des co-traitants. Top, donc on devrait faire du bon boulot. Donc au printemps, on a fait beaucoup de com' en attendant de faire des choses plus concrètes. Donc il y a notamment l'inauguration officielle du parc des Jalles qui a eu lieu au mois de mai à la Vacherie à Blanquefort, qui est un site vraiment emblématique à côté du parc de Majolan. Donc c'est vraiment un lieu pour nous vraiment marqueur du parc des Jalles. Bon, on avait un magnifique tramway charté Parc des Jalles. Et puis, on a toujours nos programmes d'animation que je vous invite également à aller voir parce qu'on a une programmation très éclectique pour faire comprendre ce que c'est que le Parc des Jalles, à la fois dans la dimension eau, agriculture, nature, mais aussi même urbaine, puisqu'on a développé avec l'association Alternatives Urbaines des balades urbaine, par exemple, sur le secteur du parc des Berges à Bordeaux. Et voilà, dernière petite photo des réalisations 2022, un parcours pédagogique le long de la piste cyclable Bordeaux-Lacano, donc là, c'est à Aisines, un petit parcours pédagogique pour expliquer ce qui se passe de l'autre côté de la clôture de la piste cyclable, puisqu'en fait, ce secteur traverse en fait un périmètre de protection immédiat, donc un secteur où l'eau de source est captée. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas évoqué, mais sur le parc des Jalles, en fait, il y a énormément de zones de captage d'eau potable. Donc il y a 20% de l'eau potable qui est consommée sur la métropole, qui est prélevée dans ce secteur. Donc c'est quand même
hyper important. Un cinquième de l'eau du robinet de la métropole vient de ce territoire-là, donc c'est vraiment très important. Et du coup, les périmètres de protection immédiats protègent les zones de captage de l'eau potable. Et alors, on ne communique pas énormément dessus parce que c'est des zones vulnérables. Hein. S'il y a des attentats sur ces zones-là, ben on peut difficilement boire l'eau. Donc voilà, on évite de communiquer en fait sur ces zones-là. Mais du coup, bien évidemment, on protège aussi la biodiversité sur ces secteurs. Et du coup, voilà, on a communiqué sur la biodiversité de ces sites. Et en bas, vous avez quelques photos de nos équipes projets, enfin de notre réunion d'équipe projet récente avec les co-traitants du groupement avec qui nous allons travailler. Donc à la vacherie également à Blanquefort. Voilà, donc juste pour montrer que le but, c'est aussi de travailler dans la convivialité. On travaille le matin, puis après, on mange tous ensemble. Ça permet de mieux se connaître et de mieux travailler ensemble. Ah oui, j'avais une petite slide sur nos projets de maison métropolitaine de la nature. Donc effectivement, vous avez compris que tout ça est très global, qu'il y a tout un tas de piliers, mais la question de la sensibilisation des publics est bien sûr très importante. Et sur la métropole, on n'est pas très bien loti en matière d'équipement, voilà, de sensibilisation du public. Même si on a beaucoup d'associations qui travaillent dans ce domaine, elles n'ont pas forcément des lieux, voilà, des maisons, un peu comme ici, en fait, où on vient parler d'architecture, d'urbanisme et de paysage. Sur l'aspect nature, il n'y a pas vraiment de maison de la nature, en fait, sur la métropole. Et donc il y a deux associations vraiment emblématiques sur le parc des Jalles. Donc c'est la CEPENSO qui est en fait gestionnaire de la réserve naturelle des Marais de Bruges, et Situ Nature qui est basée au Hayan et qui intervient énormément sur la connaissance et la gestion des espaces naturels. Et du coup, ces deux associations étaient hébergées dans des maisons anciennes ou des moulins en très, 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 très mauvais état. Donc ça devenait même dangereux, puisque la maison du baron, celle qui est en haut, menace en fait de s'écrouler. Donc Bordeaux Métropole a finalement pris les rênes, hein, après de longues discussions entre les communes, voilà, les uns les autres. On a pris les rênes en fait sur ces deux projets, donc de réhabilitation et du coup plus tard, hein, d'ouverture au public de ces futures maisons métropolitaines. Pour des coûts non négligeables, comme vous pouvez le voir. Donc, à mon tour, donc, je vais vous parler cette fois de la partie plutôt projet. Donc, Élise a bien exposé, voilà, tout le processus, comment est-ce qu'on développe ce projet de territoire qui est assez complexe, comment est-ce que si on valorise l'existant, parce qu'aujourd'hui, il y a comme je vous l'ai montré, il y a déjà des super sites sur le parc des Jalles. Donc, je vais essayer d'exposer un peu rapidement pour qu'on ait le temps d'avoir quelques questions. Donc voilà un peu la forme de notre groupement. Donc nous, on est, donc moi je suis pilote du groupement, donc en tant que paysagiste mandataire. Mais je suis pas toute seule. Avec moi, donc il y a plusieurs autres bureaux d'études qui ont chacun leur domaine de compétences propres. Donc je travaille donc avec Franck Talon qui va s'occuper de toute la partie graphisme et communication portée par l'accord cadre. Sistud Nature et Écosphère, donc c'est vraiment le tandem des deux écologues du projet qui vont nous appuyer pour toute la dimension écologique, s'assurer que, d'une manière générale, sur tout l'accord cadre et sur tout l'ensemble des projets qui sont développés au sein du parc des Jalles, soit en accord avec les enjeux de biodiversité et l'ensemble et la préservation des milieux, voire même, on va le voir, peut-être à la réparation aussi de certains milieux, comme Élise a exposé avec le marais d'Olive. Je travaille aussi avec le bureau d'études SCE qui, eux, s'occupent de toute la partie VRD, OPC, qui vont m'appuyer aussi pour la médiation agricole, toutes les études hydrauliques. Enfin, voilà, il y a beaucoup, ça mobilise un ensemble de panels de compétences. Et enfin, le bureau d'études donc écologie urbaine et citoyenne, qui va prendre en charge l'ensemble de la concertation associée à cet accord cadre. Parce qu'il y a déjà eu une première phase de concertation, mais ce n'est pas fini. Il faut qu'on reconcerte, bien sûr, sur la partie projet. Vas-y, je te laisse passer. Donc, alors, je vais vous expliquer, on va dire, en cinq slides assez synthétiques, un peu quelle est notre posture et notre approche
vis-à-vis de cet accord-cadre et comment on s'y prend pour mener dans la phase projet ce vaste projet de territoire. Donc l'un des les principaux enjeux, c'est bien sûr révéler ce site exceptionnel aux portes de la métropole bordelaise, parce qu'il y a des habitants, il y a une vraie envie quand même de découvrir le parc des Halles. Donc c'est comment est-ce qu'on y répond. Il y a un fort potentiel touristique, mais qui sont à concilier avec les différents usages du site, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui y travaillent, il y a des agriculteurs, il y a des espaces qui sont aussi parfaitement dédiés à la nature, il y a une haute valeur écologique. Donc comment est-ce qu'on peut ouvrir ce site qui est inondable, qui a de multiples enjeux dans le respect, on va dire, des acteurs de la faune, de la flore, des animaux qui sont en présence. S'inscrire dans la continuité d'un projet de territoire, l'idée c'est de ne pas tout recommencer, vraiment c'est de reprendre le wagon en marche et de pouvoir continuer en fait cette ouverture au public, donc qui va être guidée par le plan d'aménagement des portes, des chemins et l'ensemble des parcs. Et il va falloir engager ce plan guide vers une nouvelle phase de concertation et rechercher la conciliation. Co-construire le projet avec les acteurs du territoire, donc du coup j'en parlais. Donc le modèle de gouvernance est encore à construire, Élise en a parlé. Et il va falloir poursuivre cette concertation et surtout animer tout un dialogue avec les nombreux acteurs. On a beaucoup parlé des acteurs institutionnels, mais il y a aussi tous les agriculteurs, tous les riverains, tous les viticulteurs, il y a les chasseurs. Il y a beaucoup de publics à concerter et qui ont aussi leur mot à dire sur cet espace. Pour notre part, donc ça c'est une spécificité aussi de cet accord cadre, en tant que bureau d'études, en tant que paysagiste, on doit aussi piloter et coordonner ce projet métropolitain. D'une manière générale, la mission que nous a confiée la métropole, c'est de faire un suivi, un espèce de reporting, tout ce qui se passe sur le parc des Halles, n'importe quel projet, on doit être au courant. Et on doit vérifier que ces projets, en fait, ils soient bien, on donne des avis et on vérifie que l'ensemble des projets qui ont pas trait de notre maîtrise d'œuvre sont bien compatibles avec les enjeux portés par le parc. Et qui répondent bien aux différents axes qu'Élise a développés, préservation de l'agriculture, de l'eau, de la nature et des différents usages de loisirs qu'on souhaiterait y implémenter. Et enfin, l'idée, c'est aussi de conduire le projet vers l'opérationnalité écologique. Donc on parle beaucoup de cette ouverture au public, mais aussi il y a toute la place du projet non humain, de la mesure de la place de l'humain dans ce projet-là. Il y a aussi le projet pour les animaux, pour la nature. De quelle manière est-ce qu'on peut limiter l'impact carbone aussi de nos travaux d'aménagement, appliquer aussi des mesures de gestion qui soient adaptées aux différents milieux. Conforter tout le corridor écologique qui est formé par les Halles. Donc on va dire ça c'est tout le projet qui tend au-delà de la conservation un peu à la réparation et à l'amélioration de la fonctionnalité écologique de ce vaste espace de 6000 hectares. Donc là je vais vous parler maintenant un petit peu de ce plan guide, comment est-ce qu'on l'a construit. Donc là je reprends ma casquette au-delà de l'eau, du territoire, de l'agriculture ou de la nature, comment est-ce qu'on ouvre petit à petit ce paysage, ce vaste territoire au public. L'idée en premier lieu, c'est d'utiliser le réseau de cheminements existants. Il y a énormément de cheminements, donc ça ne sert à rien d'aller en créer des nouveaux. Donc c'est vraiment sur cette matrice-là qu'on va d'abord capitaliser pour proposer à plusieurs sentiers de randonnée, plusieurs sentiers de découverte du parc. Ensuite, comme vous voyez sur cette carte, on a travaillé surtout sur les structures paysagères. Au final, qu'est-ce qui est intéressant d'aller voir dans ce parc ? Il ne faut surtout pas l'ouvrir complètement, il faut trouver la juste mesure de manière à ce qu'il ne soit pas non plus qui ne perde pas en tout cas sa dimension très naturelle, sa forte naturalité. Donc l'idée, c'est d'identifier les principales structures paysagères qui sont intéressantes, qui donnent à voir, et de magnétiser l'ensemble de ces parcours aux structures paysagères existantes. C'est un petit peu le squelette paysager qu'on a identifié, que vous voyez ici, qui est composé de forêts, de bouts de Halles, de parcs déjà existants, de gravières, de plans d'eau accessibles. Donc c'est comment est-ce qu'on s'infiltre entre des espaces auxquels le public n'a pas forcément aussi vocation à aller. Les logiques donc il y a d'autres logiques. Donc si on reprend ensuite les logiques d'aménagement, en premier lieu, comme je vous disais, l'important c'est de préserver vraiment tout le cœur du parc. Donc on va d'abord intensifier les franges. C'est pour ça qu'on va travailler. C'est sur ces franges-là qu'on a programmé différentes portes.
Ces portes sont des espaces, on va dire, précis, localisés, qui permettent d'assurer en fait, la transition entre l'espace urbain et l'espace naturel du parc. Donc ça va être un petit peu des lieux de destination en tant que tels. Donc c'est sûr, donc ces portes, elles vont vraiment se qualifier sur les franges. Donc c'est peut-être sur les franges du parc que l'on va peut-être concentrer la majeure partie des aménagements pour laisser un cœur le plus naturel possible. Ensuite, je vous en parlais tout à l'heure, il est nécessaire de mettre en réseau tous les sites d'intérêt, toutes nos investigations territoriales, toutes ces pépites-là. Ça va nous permettre aussi de conduire ces différentes matrices de parcours. Ensuite, en troisième logique, on a voulu révéler aussi le faisceau historique de la jale libre. Alors ça, je vous en ai moins parlé, mais il faut savoir donc que cette jale, en effet, elle était canalisée au fil du temps. Mais à la base, c'était un vaste espace de divagation. On était vraiment sur une rivière naturelle. Aujourd'hui, il en reste quelques traces, quelques petits indices, des ripisibles, quelques dépressions humides. Donc comment est-ce que dans notre projet, on peut révéler quand même cette continuité hydraulique qui est la matrice fondatrice de cet espace? Et enfin, pour le public, augmenter l'offre de sites témoins sur l'écologie du site. On a des super prairies, des boisements, la réserve naturelle, le marais d'olives. C'est plutôt des sites témoins qu'on va ouvrir ponctuellement, de manière à ne pas tout ouvrir, pour pouvoir donner à voir la mosaïque de milieux qui vont composer le parc des Jales. Enfin, donc, les principes, ça c'est ce qu'on a un petit peu appelé les principes de politesse. Parce que on s'invite pas comme ça dans un territoire en ne prenant pas en compte l'ensemble des activités qui y figurent. Donc là, notre première posture, c'est surtout éviter, longer et contourner. Parce qu'il y a des espaces qui sont à haute valeur écologique, où l'humain n'est pas forcément le bienvenu vis-à-vis de la quiétude des espèces ou la conservation des milieux. Il y a des chasseurs, il y a des grandes réserves de chasse, où là aussi c'est compliqué d'emmener du public. Il y a des grandes zones agricoles, il y a des grandes matrices agricoles. L'idée, c'est pas d'aller proposer un chemin qui vient couper une unité agricole. Et il y a aussi des espaces de militaires qui sont sous douane, qui sont complètement clôturés et qui sont aussi des vrais, on va dire, qui sont très inaccessibles. Et c'est vraiment pas facile de pouvoir proposer, en tout cas, un cheminement d'aménagement qui soit cohérent, notamment sur la partie Saint-Médard et Martignas. Donc l'idée, c'est de jouer avec toutes ces contraintes et de pouvoir proposer cette matrice de cheminement qui permette de respecter l'ensemble de ces usages. En deuxième temps, donc, l'idée, c'est d'intégrer et d'harmoniser tous les projets locaux dans la démarche métropolitaine, parce que nous, en tant que paysagistes, on doit aller voir l'ensemble des communes aussi pour pouvoir faire le reporting de leurs projets. Comment est-ce que leur projet communal peut s'intégrer dans le projet du parc des Jales? Et souvent, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait le lien. C'est qu'on va voir la commune du Taillant qui dit « Ah, mais moi, j'aimerais faire un cheminement qui va de tel point à tel point. » Et en fait, on va voir la commune en face, la commune usine, qui dit « Ah, mais moi aussi, je voudrais faire un cheminement qui va de tel point à tel point. » Et super, ça colle avec le projet du Taillant. Donc ça nous permet aussi, on est un petit peu un catalyseur aussi pour amener les communes à travailler ensemble et à intégrer leurs différents projets de manière petit à petit à construire ce plan guide d'aménagement. Donc on va aussi être dans la précaution, la discrétion. Ça peut se traduire par exemple par des aménagements d'affût, ou vraiment jouer en tout cas et bien adapter notre projet aux différents enjeux du milieu. Et ne pas déplacer les acteurs locaux et surtout amplifier leur rôle sur le site. On parlait bien sûr de tous les agriculteurs, il y en a beaucoup aussi qui font de la vente directe sur le site. Les associations, Sistu Nature, la Céponceau qui gère la réserve de Bruges. C'est comment est-ce qu'on anime ce dialogue pour pouvoir faire aboutir ce projet de territoire. Donc en résulte, de manière très, très synthétique, tout ce plan réseau, on va dire ce plan de découverte qu'on a proposé, où vous avez en jaune donc, les différentes portes qui viennent se pluguer sur les franges de l'ensemble du parc. Donc ça va être les sites de destination préférentielle, ça va être les sites les plus aménagés, on va retrouver le plus d'équipements, et qui ensuite donnent à voir sur un vaste réseau de cheminements. Alors là, on en est presque à un potentiel, attention, donc ça c'est un chemin, l'idée c'est de ne pas réaliser l'ensemble de cheminements, mais le but de notre étude, c'était de faire un petit peu, de balayer l'ensemble des possibles. Donc on ne va pas mettre en place 150 km de cheminement, mais c'est l'ensemble des possibles à négocier avec les communes, les élus, les acteurs du territoire pour mettre en place ce projet de sentier nature et de sentier découvert. Donc on a en tout 13 portes qui sont aménagées sur les parcours de rive, 31 accès,
un peu plus confidentiel, et un ensemble de cheminements qui donne à voir tout ce dont j'en ai vous expliqué tout à l'heure. Donc voilà, ici, il y a une autre transcription, donc c'est le petit plan de visite du parc, où là, on a recollé en fait, la matrice paysagère, l'une des premières salles que je vais montrer avec tout le squelette de la matrice du parc accolé à ces cheminements et aux différents lieux d'intérêt et de portes. Et voilà un exemple un petit peu de fiches actions, par exemple, qu'on peut développer dans le cadre de notre étude, où pour la métropole, voilà, au-delà de ce grand schéma des potentiels d'aménagement, on propose ici, par exemple, la programmation d'une portion de cheminement. Là, on est au niveau de Blancfort, au niveau des prairies de la forteresse. Et vous avez comme ça, donc, c'est une forme assez illustrée de la constitution de la porte, comment est-ce qu'un cheminement sur digue peut prendre la forme d'un jardin humide. La création peut-être d'un petit belvédère sur la Jalle, l'accès à une forteresse qui aujourd'hui est privée, et on reconnecte avec une autre porte au niveau de Blancfort. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'aménagement, mais en tout cas pour chacune, on va dire des chemins de randonnée ou des projets prioritaires qui ont été identifiés, on a établi comme ça en fait des fiches un petit peu de programmation pour donner à voir l'éventail aussi des possibles aux élus. Et c'est la dernière slide et j'en ai terminé. Merci beaucoup. Merci pour cette conférence qui était riche. Non, mais c'était très riche. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, mesdames, messieurs ? Des remarques à faire à nos deux intervenants. Juste pour lancer, Emmanuel Bonneau, je suis paysagiste et urbaniste, Institut d'urbanisme à Bordeaux-Montagne. Par quoi on commence ? C'est-à-dire, là, voilà, Élise nous a dit 6 000 hectares. Là, on voit qu'il y a tout un réseau de chemins. D'un point de vue stratégique, c'est-à-dire de ce qu'on va pouvoir faire et de ce qui va se faire voir au public, par quoi est-ce que vous choisissez de commencer aujourd'hui ? Nous, on est totalement pragmatique. On commence par ce qu'on peut faire, c'est-à-dire là où on est chez nous, donc là où le foncier est maîtrisé, tout bêtement. Vous doutez que ce n'est pas le cas sur tout ce qu'on vous a montré. Je tiens juste à préciser que le plan guide et le plan réseau sont totalement confidentiels. Les images que vous avez vues aujourd'hui n'ont pas fait l'objet d'une concertation grand public. C'était juste un petit message. Pas de réseau social ce soir sur l'image du plan guide, enfin le plan réseau là, qui effectivement peut effrayer les agriculteurs, qui ont déjà un peu en tête ce sujet, mais juste pour dire qu'effectivement la concertation a porté sur le programme d'action, mais pas sur le plan guide. Donc voilà, on a quand même ce sujet à porter. Donc le par où on commence, c'est vraiment le pragmatisme. Effectivement, on va aménager les espaces sur lesquelles les communes ou la métropole sont propriétaires du foncier. On vient de faire à l'instant, enfin là ces dernières semaines, une tournée des communes pour reprioriser justement les lieux d'action. On a déjà pas mal de boulot sur la table, on va pas s'ennuyer déjà avec cette partie-là. L'idée, c'est effectivement de mettre en œuvre déjà les portes, les fameuses portes qui sont ces lieux de jonction entre la ville et le parc. Donc, c'est des programmations différentes en fonction des lieux. Donc, effectivement, c'est des petits espaces publics. Pour donner à voir, rien que sur Bordeaux, il y a un potentiel énorme, puisque du coup le secteur de Bordeaux Nord et du lac ont été sous-aménagés par rapport au reste de d'autres secteurs sur Bordeaux. Donc il y a déjà un terrain de jeu très important sur rien que sur la commune de Bordeaux. Et après, effectivement, il y a beaucoup de sites sur lesquels on peut déjà intervenir. Donc là, on vient de faire la tournée des communes pour mettre en,
en étude préliminaire un certain nombre de sites. Donc, c'est-à-dire qu'on commence la maîtrise d'œuvre en fait sur un certain nombre de portes et aussi sur certains chemins. Il se trouve que ce que je vous expliquais sur l'articulation des outils et notamment les questions de maîtrise foncière vont nous permettre en fait sans doute d'acquérir certains sites assez stratégiques. Donc, je pense notamment à un secteur comme le secteur de la forteresse à Blanquefort. Il peut y avoir des alignements de planètes qui font qu'on arrive à acquérir des sites vraiment fondamentaux. Donc, notamment le site de la forteresse à Blanquefort, c'est un foncier agricole. Hein, c'est vraiment un éleveur hein, qui est propriétaire d'un foncier très important dans lequel se trouve la forteresse. Et c'est bien évidemment un site stratégique. Je ne sais pas si vous avez en tête cet endroit, mais on l'avait en slide up. Il était là. Voilà. Donc ça, c'est un site, c'est un point de vue où vous pouvez aller hein, à Blanquefort. C'est un lieu qui est ouvert au public pour voir la forteresse de loin. Mais on espère bien sûr. Donc la forteresse, c'est ce qui a donné son nom à la ville de Blanquefort. Hein, Blanca Fortis, Blanquefort, c'est ce château. Donc c'est un lieu tout à fait majeur pour le parc des Jeunes. Et du coup, si on peut acquérir ce lieu, bien évidemment, ça nous aidera à l'aménager et à le donner à voir. Donc, c'est un secteur sur lequel on va beaucoup agir sur le secteur de Blanquefort. Après, comme disait Marine, il y a la question des gravières qui cessent leur activité et ce qui va nous permettre aussi d'intervenir peut-être dans quelques années sur ces sites qui sont totalement délaissés en matière d'aménagement. Voilà, petit à petit, en fait, il y a des secteurs qui vont se libérer et qui vont nous permettre d'intervenir, sachant que on a énormément de préalables environnementaux à regarder. Donc là, ce qu'on va commencer à faire, c'est aussi énormément d'études faune-flore, puisque on veut, comme je vous le disais, commencer par préserver la nature. Et du coup, il faut qu'on commence par regarder ce qu'il y a de façon très précise partout, même si on a des données déjà assez macro. On a besoin site par site d'aller voir très précisément la faune et la flore qui vivent dans ces lieux pour faire les aménagements les plus respectueux possibles. Donc on va commencer par faire beaucoup d'études faune-flore et quelques études préliminaires en 2023. Et puis petit à petit, on va s'acheminer vers des réalisations opérationnelles et petit à petit... Vous verrez que tous ces petits maillons vont finir par faire corps. En fait, dans quelques années, on aura deux maisons métropolitaines de la nature ouvertes sur le parc des Jalles. Enfin, voilà, tout ça va monter en fait en cohérence et en puissance. Donc, effectivement, ça paraît encore très loin, mais pour nous, c'est beaucoup de concret là dans les prochaines années. J'en profite pour poser une question puisque j'ai le micro. Justement, mais parce qu'en fait, c'est déjà très concret, parce que effectivement, les aménagements sont en train d'arriver, etc. Mais finalement, ce parc, il est déjà très concret, notamment à travers les outils. Et c'est un peu le sens de ma question. Les outils que vous avez mis en place, l'opération d'intérêt métropolitain, etc. Et qui a justement, ma question, elle porte un peu là-dessus. Cette opération, cet outil, opération d'intérêt métropolitain, que vous avez un peu pensé comme dans un esprit PNR, charte de PNR. Ma question, elle était de savoir si vous aviez imaginé, avant d'aboutir à cet outil, d'autres outils. Moi, c'est vrai que quand vous avez parlé, je me suis beaucoup dit, ça aurait pu être un PNU, un parc naturel urbain. Est-ce que vous avez réfléchi à d'autres outils qui auraient pu servir ce grand projet de territoire ? Alors, juste pour information, un PNU, ça n'existe pas. Juste pour information, c'est juste un vocable, en fait. C'est pas un vrai outil... Oui, mais il y a quand même une charte. Ouais, après une charte, c'est pareil. Ça veut rien dire d'un point de vue institutionnel. Donc voilà, c'est juste pour dire que parfois on entend des sigles, on croit que c'est des vraies choses, et en fait non. Bien creuser la question des outils, parce que c'est facile en fait de sortir des sigles. D'ailleurs, pour information, l'OIM. L'opération d'intérêt métropolitain, c'est quelque chose de tout à fait propre à Bordeaux Métropole. Donc c'est presque un sigle
pareil, qui veut rien dire. Ça permet en fait de porter à jour des dynamiques territoriales. Donc on aime bien ça, la métropole. Ça permet surtout de communiquer en fait sur des dynamiques territoriales. Nous, le Parc des Halles, c'est une opération d'aménagement d'intérêt métropolitain, donc une OIM. En fait, c'est un vrai outil d'urbanisme hein, dans le code de l'urba. Classiquement, on utilise les OIM plutôt pour construire des logements. Donc c'est plutôt un outil un peu genre comme une ZAC. Donc c'est assez rare de faire des OIM nature, voire je pense que c'est une des premières. Effectivement, on avait réfléchi à d'autres outils avant, des outils plus classiques aussi, hein, comme les SEM ou les syndicats mixtes. Ce qui permet en fait de vraiment dire un syndicat mixte, en gros c'est un regroupement entre plusieurs communes et potentiellement une métropole, mais ça peut être juste 4-5 communes qui se mettent autour de la table et qui décident de mutualiser des moyens, donc notamment financiers mais aussi humains, et donc ça aurait été aussi une très très bonne option. Typiquement les PNR sont portés par des syndicats mixtes ouverts, donc oui c'est une très très bonne option, dans lequel en fait par exemple pour les PNR c'est des syndicats mixtes ouverts dans lequel la région, les départements et les communes participent, et donc en fait chacun donne financièrement une quote-part, et il y a un comité syndical qui permet en fait de réunir les représentants de ces différents partenaires, et chacun a un nombre de sièges en fonction de l'argent qu'il met dedans. Donc moi je trouve ce système très très bien. Alors l'OIM, en fait, la difficulté, c'est que en fait, c'est la métropole qui porte. Et du coup, on pourrait très bien... Et donc, en fait, toutes les décisions sont portées par le Conseil de Bordeaux Métropole. Ce qui annule en fait totalement la participation effective en fait des autres partenaires. On est entre guillemets bien gentil de faire un comité de pilotage dans lequel on invite les maires, parce qu'on pourrait très bien dire... la métropole finance solo dans son coin. Bon, bien évidemment, c'est pas du tout comme ça que la métropole fonctionne depuis sa création. Hein. On est totalement, enfin, nos élus sont des maires, hein, donc bien évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Mais un syndicat mixte ouvert aurait été plus clair en tant qu'organe de gouvernance. Et c'est pour ça qu'en fait, on risque de subir un peu cette décision. C'est d'ailleurs déjà un petit peu le cas dans le cadre de l'enquête publique. Hein. C'est des choses qui nous ont été reprochées, notamment par les commissaires enquêteurs, mais aussi par certaines expressions publiques dans le cadre de l'enquête publique, puisqu'on nous reproche en fait de ne pas avoir mis en place un organe de gouvernance suffisamment élargi pour faire participer les acteurs du territoire, pas uniquement les acteurs institutionnels, c'est-à-dire les communes et la métropole, mais aussi les propriétaires fonciers et les exploitants, les forestiers, les carriers, etc. Donc effectivement, un autre système aurait été peut-être plus efficace, mais c'est la décision qui a été prise. D'autres questions, peut-être ? J'ai une question par rapport en fait au territoire productif, à la version, enfin le paysage nourricier finalement. Est-ce que il y a des moyens ou des outils qui permettent à des jeunes agriculteurs de venir sur le territoire du parc des Halles? Est-ce qu'il y a des conventions qui sont passées, enfin par rapport à l'OIM et la question agricole finalement? Voilà, c'est juste. C'est une très bonne question. Effectivement, alors c'est pas l'OIM qui va forcément donner le plus d'outils, même si bien évidemment, dans le cadre du programme d'action, c'est des enjeux forts, très très actuels, très portés politiquement. La question de la gouvernance alimentaire est très très prégnante.
Bordeaux Métropole, à l'échelle de la métropole, travaille énormément sur ce sujet, également au sein de mon équipe. Pour la petite histoire, il y a une stratégie de résilience agricole et alimentaire qui sera votée en novembre et qui sera également très ambitieuse, un peu en parallèle de la stratégie biodiversité dont je vous ai déjà parlé. Sur le territoire du parc des Halles, effectivement, c'est en fait le territoire productif de la métropole. Donc, il y a une grande dimension agricole et les élus souhaitent absolument que ça soit maintenu. Donc, on a plutôt effectivement une dimension autour de l'alimentaire. Donc, la question des grandes cultures et de la viticulture est un petit peu moins portée, même si elle est très présente sur le parc des Halles. Sur la dimension plus maraîchère, c'est plutôt l'outil du PENP, donc du périmètre d'espace naturel et agricole périurbain, qui va nous aider avec cet outil de préemption, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'un porteur de projet s'installe, le foncier, ça aide. Donc effectivement, soit on peut aider, nous, en tant que collectivité, en acquérant des fonciers et en les mettant à disposition à des porteurs de projets, ou en facilitant la transmission entre des propriétaires ou des exploitants partant à la retraite et des jeunes. C'est quand même très compliqué. Enfin, le PENP, on anime cette dynamique notamment d'installation depuis 2015 et c'est quand même très compliqué. On a beaucoup de porteurs de projets qui n'aboutissent pas, c'est-à-dire qu'en fait ils cherchent du foncier et ils n'en trouvent pas ou ils n'ont pas les moyens de s'installer. Malgré nos efforts d'animation, de mise en lien et d'animation et de conseils, donc on joue ce rôle en fait auprès des porteurs de projets. On a mis en place un groupe foncier avec la Chambre d'agriculture, la SAFER, Terre de Liens, enfin voilà, tous les partenaires agricoles, mais malgré ça, c'est quand même assez compliqué. Il faut quand même savoir qu'on est sur un territoire inondable, ce qui n'aide pas non plus à s'installer facilement, puisque les ouvrages agricoles doivent être transparents à l'eau. Enfin, voilà. Donc il y a tout un tas de contraintes qui font que notre territoire n'est pas très attractif quand même pour les porteurs de projets agricoles. Donc, on essaye de faire le maximum, mais malheureusement, ce n'est pas toujours déclencheur. Mais par contre, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de conforter des exploitations en place. Et c'est déjà bien, parce qu'en fait, il y a aussi des grosses difficultés chez les exploitants en place. Et notamment, le marais d'olives, quand on met à disposition une cinquantaine d'hectares de foncier de prairies que nous avons acquis et contre un bail environnemental à un tarif modéré, c'est déjà un gros coup de pouce pour l'éleveur. On essaye plutôt d'agir en fait sous ce format-là. Et il est fort à parier que puisqu'en fait, il y a un projet d'extension du PENP. Actuellement, le PENP fait 800 hectares. Et en ce moment, on travaille à l'extension de ce PENP pour qu'il totalise 3000 hectares, notamment sur toutes les grandes prairies de Blanquefort et de Parentuire, ce qui nous donnerait en fait ce levier de la préemption sur tous ces territoires-là. Donc les élus sont très porteurs de cette dynamique. Il faut savoir que c'est quand même très sensible parce qu'à partir du moment où on touche à la terre, puisque du coup ça veut dire que la préemption nous donne en fait un droit de priorité pour acquérir des fonciers, et donc en fait on s'immisce un peu dans la vente possible d'un foncier. Ça fait peur. Donc, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Là, il y a des préconcertations qui ont été menées. Bon, il se trouve que ces terrains sont inondables, donc ils ne sont pas constructibles. Donc, normalement, ça devrait nous aider à ce que ça passe plus facilement. Mais il faut savoir que sur le PENP des Halles, les agriculteurs, en fait, pour eux, le foncier, c'était leur retraite. Et quand ils ont compris que ces fonciers ne seraient jamais vendables en constructibles, c'était un peu la fin du rêve, quoi. Enfin, concrètement, tu traverses la route et le prix est divisé par je sais même pas combien d'ailleurs, par 100 ou enfin voilà, donc c'est assez énorme. Et du coup, certains ont lancé des contentieux. Enfin voilà, c'est pas encore assaini, c'est-à-dire qu'en fait, accessoirement, la collectivité a quand même construit un grand stade en zone inondable, donc on n'a pas donné un super signal on est super cohérent et super porteur de nos ambitions.
Hein, donc, du coup, ça nous, enfin voilà, on se le paye dans les dents régulièrement en réunion publique. Voilà, il y a ce sujet en fait derrière du soutien, mais voilà, on travaille bien évidemment aussi à essayer d'accueillir des agriculteurs, mais c'est loin d'être simple. Excusez-moi, je suis un peu longue dans mes réponses. Peut-être une autre question, c'est dans le cadre aujourd'hui avec les objectifs de renaturation qui sont donnés et le zéro artificialisation nette que l'État demande, est-ce que le parc des Halles peut être un support de renaturation pour certains secteurs et notamment tout le secteur autour du lac qui a connu une artificialisation assez importante? Et est-ce que c'est des réflexions que l'OIM porte ou ne s'est pas encore trop posées? Notamment, c'est aussi pendant la réflexion que le parc des Halles le linéaire des Halles est un territoire qui a été urbanisé et consommé au fur et à mesure des années. Est-ce qu'il y a une dynamique d'amplifier en fait ce parc des Halles sur les territoires qui ont été déjà conquis? Il y a quand même des sites de compensation et que on peut comme ouais. Alors, on n'est pas sur de la désimperméabilisation. Je pense que certains projets de portes peuvent peut-être y répondre, mais d'une manière générale, il n'y a pas forcément de projet de désurbanisation et l'ensemble des projets, en tout cas que nous on va mener dans le cadre de l'aménagement des portes ou de l'aménagement des chemins, ça sera dans un objectif bien sûr de moindre impact sur l'imperméabilisation des sites. On est aussi quand même sur un projet où il y a on a beaucoup de sites de compensation écologique, donc qui sont répartis sur l'ensemble du parc, et ensuite on a quand même tout le projet porté par le PPG sur la restauration écologique de la continuité de la Halle. Donc on a plusieurs en fait barrières qui existent, hein, qui sont des vraies ruptures de continuité sur le site. Donc il y a tout le projet qui est porté plutôt par la GEMAPI. Donc nous on est en interrelation avec eux, qui vise donc la création de passes à poissons. Il y a tout le sujet aussi des reculs de digues, parce qu'aujourd'hui je vous disais donc on est sur une Halle qui est très cadenassée, très très endiguée. Comment est-ce qu'on peut dès qu'on peut le faire, proposer des reculs de digues qui permettent de recréer une ripisylve, de recréer des espaces de frayère qui, de fait, améliorent cette fonctionnalité écologique, améliorent les continuités et tendent à une maximisation, autant que faire se peut, de la biodiversité sur certains sites. Mais je trouve que le PPG, c'est quand même un bon exemple. Après, bon, globalement, alors je suis pas encore experte en ZAN, c'est plutôt d'autres collègues dans ma direction qui travaillent dessus. L'idée, c'est qu'on est quand même sur un parc des Halles qui est déjà plutôt nature, donc c'est pas forcément là qu'on va gagner en surface de renaturation. J'ai pas trop d'exemples là qui me viennent, mais effectivement, on sera plutôt dans minimiser l'artificialisation, et après, c'est plutôt dans le travail sur les lisières où peut-être qu'on pourra avoir ce rôle de renaturation donc à l'extérieur en fait du périmètre de l'OIM, mais en lisière. Donc on va effectivement s'attacher à conseiller, puisqu'en fait dans l'accord cadre on a également des prestations de conseil et d'avis notamment sur ces projets riverains. Donc on va aussi essayer d'avoir une action bénéfique en fait hors des frontières du parc, notamment auprès de nos conseils, nos collègues du développement économique, parce qu'il y a quand même énormément de zones d'activité économique en fait en lisière du parc des Halles. Donc on va essayer de les verdir et de les paysager. Donc ça, c'est une grande ambition à long terme. Je ne sais pas si on arrivera à trouver les sous pour le faire, mais c'est un peu l'idée d'essayer d'infuser en fait au-delà des limites. Et on essaiera d'avoir cette action-là autour du parc. Il y a aussi toute la question des chemins. Donc l'idée, c'est pas non plus d'aller dérouler du chemin pour dérouler du chemin. Comme je vous le disais, l'ensemble de nos cheminements qu'on a proposés, donc ils se magnétisent aux structures paysagères qui sont déjà existantes. Mais il y a des endroits où il y a pas de structure paysagère. Donc tout le projet en fait d'ouverture ou de création de ces chemins de randonnée est forcément, dès que c'est nécessaire, accompagné d'une
d'une structure paysagère. Donc et forcément accompagné d'une plantation, que ce soit à la recréation peut-être de bocages ou de pièces boisées, de segments arborés. Voilà, ça c'est avant tout le plan paysage du site qui va le dicter. Mais vraiment, en tout cas, je pense que ce support de chemin peut aussi être un support de renaturation au fil des continuités pédestres. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Alors moi, j'en aurais plein d'autres, mais il est déjà 20h06. Et je crois je vais vous les poser autour d'un petit verre. Et je vous remercie encore beaucoup pour cette conférence extrêmement, extrêmement riche, extrêmement passionnante. Ça donne envie de vous poser plein de questions. Et merci beaucoup.